Bonjour Buster, quelle jolie fleur! Quelle belle journée ensoleillée! Buster est très heureux aujourd'hui! Et regarde, une belle pomme rouge juteuse! Tu devrais te dépêcher Buster ou tu vas être en retard à l'école! Le cours a déjà commencé, vite! Oh mince, je crois que la maîtresse n'est pas très contente que tu sois en retard Buster! Tu dois bien écouter le cours désormais! On dirait que tu vas devoir conduire entre les cônes. Voilà Robin. Sois attentive, Buster. Ne sois pas distrait. Oh mince, la maîtresse n'a pas l'air contente du tout. C'est le moment de conduire entre les cônes. C'est bus orange qui commence. Doucement et avec prudence. C'est ça. La maîtresse est ravie. Maintenant, c'est ton tour, Buster. Bonne chance. Waouh, ralentis, Buster. Tu fais tomber les cônes. Essaye de rester entre les cônes. Oh mince, ce n'est pas ce que tu devais faire, Buster. Cela t'apprendra à aller trop vite. La maîtresse est très déçue. C'est la fin de la journée. C'est l'heure de tous rentrer chez nous. Je crois que Buster est triste de ne pas avoir fait ce qu'on attendait de lui. Peut-être qu'il devrait aller dire pardon à sa maîtresse. La maîtresse a l'air très fatiguée. C'était aussi une longue journée pour elle. Je crois qu'elle a besoin qu'on lui remonte le moral. Que pourrais-tu faire? La pomme! Super idée, Buster! C'est très gentil de ta part. Et tu as remonté le moral de ta maîtresse. Allez, Buster, cette fois tu peux le faire. Doucement, avec prudence. C'est ça! Tu te concentres et tu y arrives! Bravo, Buster! Tu l'as fait! Bon travail, Buster! Bien joué! Hey, salut, Buster! Il va aller conduire avec Scout. Regarde, il y a Tony le camion livreur. On dirait que Buster et Scout vont suivre Tony pour voir où il va aujourd'hui. Ils s'amusent tellement ensemble. Sacré Scout. Buster ne fait pas attention à la route. Attention Buster. Ouf, c'était moins une. Fais attention Buster, tu as failli atterrir dans le dos de Tony. Regarde, il y a un trou sur la route. Et Tony se dirige droit dessus. Oh non! Les portes de son camion se sont ouvertes à cause du trou. Attention, Buster et Scout! Certains des colis risquent de tomber. Les paquets se répandent sur la route. On dirait que Tony n'a même pas vu. Et une autre boîte est sur le point de tomber. Waouh! Bravo, Buster, de l'avoir attrapé. Et en voilà une autre! Bravo, Scout! Beau travail! Oh non, attention Scout! Scout a perdu le contrôle et est sorti de la route. Sa boîte s'est envolée dans l'arbre. Oh regarde, Tony va devoir s'arrêter au feu rouge. Cela te fera gagner du temps. Vite Buster, tu n'as pas beaucoup de temps pour rapporter les colis. Bonne réflexion Buster. Maintenant tu dois trouver le moyen de remettre les colis à leur place. On dirait que Scout a une idée. Super travail, Scout. Tu peux utiliser cette planche de bois comme rampe. Et voilà un endroit parfait pour remettre des colis. Super travail, l'équipe. Maintenant, tu peux refermer les portes, Buster. Juste à temps pour le feu vert. Tony redémarre. J'imagine qu'il ne saura jamais qu'il aurait pu perdre toutes ses livraisons. Bien joué, Buster. Bien joué. Hey, salut, Buster. Oh, tu as l'air un peu fatigué. Buster s'est endormi. Et qu'est-ce que ceci? Des moustaches? Un nez en forme de bouton? Et des oreilles? C'est Buster le lapin de Pâques. Il est merveilleux. Je crois qu'il aime bien sa nouvelle queue de lapin. Tu te demandes où il va? J'espère qu'il va aller faire ce que font les lapins de Pâques. Oh, mais qu'est-ce que ceci? C'est un terrier sur le côté de cette colline. Je me demande où il mène. Le voilà qui sort de l'autre côté. Oh, regarde! Terry Tracteur fait une sieste. Waouh, Buster le lapin de Pâques a donné un œuf de Pâques coloré à Terry. Et hop, il continue son chemin pour aller faire une surprise de Pâques. Je me demande où ce terrier mène. Par ici, Buster lapin! Robin est dans un profond sommeil.
Il est temps de laisser une autre surprise de Pâques pour quand Robin se réveillera. Oui. Et c'est reparti. Qui est-ce? C'est Jessie la Jeep. Oh, elle dort. Buster le lapin de Pâques a laissé un autre œuf de Pâques pour quand elle se réveillera. Quel lapin de Pâques occupé tu es, Buster? Ces œufs ne vont pas se livrer eux-mêmes. Je me demande pour qui d'autre Buster le lapin a des œufs. C'est Digger l'excavateur. Chut, Buster, essaye de ne pas le réveiller. Oh oui, très bonne idée. Oh mince, je crois que Buster est un peu fatigué. Réveille-toi, Buster. Oh, Buster le lapin de Pâques n'était qu'un rêve. Quel dommage que tous ses œufs ne soient pas réels. Mais qu'est-ce que ceci? C'est un œuf de Pâques. Oh waouh, le vrai lapin de Pâques a laissé un œuf de Pâques à Buster. Quel petit bus chanceux. Buster part à l'école. Attends une seconde, Buster. N'oublie pas que c'est le jour de la photo de classe aujourd'hui. Alors tu as besoin d'un polissage supplémentaire. Au revoir, Mamibus. Regardez, c'est Terry Tracteur qui est là pour prendre les photos de l'école. Bandy et Ash sont les premiers, souriez. C'est au tour de Buster. Et il veut prendre une photo d'action. Oups, Buster a glissé. Attention, Scout. Oh, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Le professeur tend un miroir à Buster. Buster a fait tomber sa dent de devant qui bougeait. Oh non! Et maintenant, Buster est trop embarrassé pour se faire prendre en photo. C'est bon, Buster, tu pourras la prendre un autre jour. Buster se sent vraiment triste d'avoir manqué les photos. Mais Mamibus est venue le chercher. Et elle l'emmène chez le dentiste pour faire examiner sa dent. Hourra! Buster est un petit peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Buster. Amber, l'ambulance, est là pour examiner cette dent pour toi. Il est temps de s'asseoir sur la chaise spéciale du dentiste. Waouh, ça a l'air tellement amusant! Et maintenant, il est temps de vérifier cette dent. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. D'abord, Amber regarde la dent avec un petit miroir. Ouvre grand, Buster. Dis « Ah !» Et qu'est-ce que c'est? Amber montre une vidéo à Buster. C'est un autre bus, tout comme Buster. Et sa dent est tombée aussi. Mais ne vous inquiétez pas, une autre va pousser à sa place. Il lui manque peut-être une dent pour le moment, mais bientôt, il en aura une toute neuve. Il n'y a donc pas de quoi être gêné. Buster se sent maintenant beaucoup mieux. Merci, Amber. Et maintenant, il va retourner à l'école pour se faire photographier. Viens là, Buster. Dis cheese. C'est une journée très venteuse à la ferme. Je crois que Terry veut montrer quelque chose à Buster. Hey, c'est Monty, la montgolfière. C'est un vieil ami de Terry. Dis bonjour, Buster. Cela doit être si amusant de voler dans les airs comme un ballon. Mais, oh oh, le vent se lève. J'espère que Monty ne va pas s'envoler. Oh non, la corde s'est cassée et maintenant le vent entraîne Monty dans les airs. Vite, Buster, tu dois le rattraper ou il va s'envoler trop loin. Oh, Monty est si haut, comment vas-tu le faire redescendre? Regarde, une corde. Je me demande à quoi pense Buster.
Dépêchez-vous, vous devez rattraper Monty. Que va faire Buster? Oh, bien sûr, un lasso. En avant, cowboy. Ah, presque. Mais Monty est toujours dans les airs. Il doit y avoir un moyen de sauver Monty. Qu'est-ce qu'a vu Buster? C'est Iggy, le camion de glace avec plein de ballons. Je crois deviner ce que Buster a en tête. Regarde, Buster a attaché tous les ballons sur lui et maintenant il s'envole dans le ciel. C'est parti, tu peux le faire, Buster. Attrape Monty. Presque. 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 Ah, enfin! Bien joué, Buster, tu l'as sauvé. Monty est si reconnaissant. Ah, Monty est bien attaché et en sécurité désormais. Il ne va plus s'envoler dans les airs comme ce ballon. Bon travail, Buster. C'est une journée ensoleillée chez Buster. Et Buster et Grandpa s'amusent beaucoup ensemble. Mummy Bus s'en va au travail. Buster et Grandpa pourront-ils préparer le dîner ensemble? Oh, waouh! De la vraie cuisine! Buster est très excité. C'est parti pour la cuisine. Grandpa installe la cuisinière. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Buster a une idée. C'est de la sauce au chocolat. Grandpa ne pense pas que ce soit tout à fait approprié pour le dîner. Jetons un coup d'œil à la recette. Ils ont rassemblé tous les ingrédients. Buster commence par ajouter un peu de farine dans le bol. Oh, doucement, Buster. Oups! La farine s'est répandue partout. Grandpa et Buster sont maintenant couverts de farine. Buster apporte la touche finale au mélange. Attention que le mélange ne se répande pas partout. Bon travail, Buster. Oups! La sauce tomate de Grandpa a éclaboussé le sol. Et que se passe-t-il sur la cuisinière? La casserole déborde et fait des bulles. Oh, regarde, les lunettes de Grandpa sont couvertes de buée et maintenant il ne peut plus voir où il va. Attention, Grandpa! Oh là là, ça ne se passe pas très bien. Grandpa et Buster nettoient le désordre. Mais Mummy Bus rentre du travail. Oh oh, ils n'ont toujours pas préparé le dîner, que vont-ils faire? Grandpa sort quelques poissons du congélateur. Ah ah, cela a donné une idée à Buster. C'est l'heure de la sauce au chocolat. Mummy Bus se demande ce que Buster et Grandpa ont fait pour le dîner. Juste au moment où ils terminent. Je me demande ce qu'ils ont cuisiné. Oh, c'est du poisson pané et des haricots verts. Et de la sauce au chocolat? Tu es sûr, Buster? Il goûte. C'est délicieux. Mummy y goûte aussi. Et c'est étonnamment savoureux. Bien joué, Buster! Buster et ses amis s'amusent bien à camper dans les bois avec Daddy Bus. Daddy fait des ombres effrayantes pendant qu'il leur raconte une histoire de fantôme. Wow! Ce monstre est super effrayant! Ouf! Ne vous inquiétez pas, c'est seulement Daddy Bus. On dirait qu'il est temps d'aller au lit. Bonne nuit tout le monde! Daddy Bus part chercher du bois pour le feu. Bonne nuit, Buster! Attends, qu'est-ce que Buster est en train de faire? Il transforme le bois de chauffage en ramures effrayantes. Scout s'est vite endormi. Mince! Qu'est-ce que c'est? C'est l'ombre effrayante de Buster! Pauvre Scout! Ne t'inquiète pas, Scout, ce n'était que Buster. Maintenant, c'est au tour de Bandit de se faire avoir. Ah ah ah! Les ombres effrayantes lui ont fait peur à lui aussi. On dirait que Buster est fatigué. Mais Bandit et Scout ont un plan. Buster dort paisiblement. Mais il y a un monstre effrayant! Et un autre! Allez, Buster, allez!
C'est bien fait pour Buster. Bon boulot, la bande. Qu'est-ce que c'était? Oh non, un vrai monstre effrayant. Ouf, c'était juste Daddy Bus qui apportait du bois de chauffage. Assez de frayeur pour ce soir. Toutes ces plaisanteries les ont rendus très fatigués. C'est la journée sportive à l'école de Buster. Comme c'est excitant! Tout d'abord, le sprint de 100 mètres. À vos marques, prêts? Partez! Allez, Buster! Il a gagné! Hourra! C'était facile! Buster est le plus rapide de l'école. Ensuite, c'est le saut en hauteur. Scout est la première. Elle file! Waouh! C'était extraordinaire! Buster pense qu'il peut battre ce saut. Il s'élance. Oups! Oh, ne t'inquiète pas, Buster. Il n'a pas l'air très content. C'est maintenant la course aux œufs et aux cuillères. Prêt, feu, partez! Buster veut vraiment gagner. Oups! Buster allait trop vite et a cassé l'œuf. Oh là là! Et Ash est le gagnant. Bien joué, Ash! Buster est agacé d'avoir perdu. Il voulait vraiment gagner. Il est tellement contrarié qu'il ne joue pas à la balle avec les autres. Ça a l'air amusant, Buster. Il ne s'agit pas seulement de gagner, Buster. Il s'agit de s'amuser. Hourra! Maintenant, ils s'amusent tous ensemble. Il est temps de présenter les médailles. Buster est en troisième, Ash est deuxième et Scout est la première. Bravo à tous! Quelle super journée! Buster, Mamibus et Ash sont au centre de loisirs. Comme c'est excitant! On dirait que Buster veut jouer dans la section des grands enfants. Mais il n'est pas encore assez grand. Waouh! C'est incroyable! Ash est très excité. Mais Buster pense qu'il est trop grand pour le centre de jeu. Il s'amuse tellement! Mais Buster ne veut pas se joindre à eux. Maintenant, ils rebondissent sur la trampoline. Wouh! Cela a l'air très amusant, Buster. Mais non, il ne veut toujours pas jouer. Oh! Qu'est-ce que Ash fuit? Oh, regardez! C'est Captain Mummy! Ah! Vite, Ash! Fuis! Il s'est échappé vers le terrain de jeu. Ça a l'air tellement amusant. Maintenant, Buster veut se joindre à eux. Vite! Le capitaine va t'attraper! Vas-y, Buster! Buster est vraiment dans le coup maintenant. Ahoy! Oh, c'était quoi ça? Ah ah! Je t'ai eu! C'est Buster le pirate et Ash le pirate à la rescousse! Fuyez! Regardez-les partir! Attention, Capitaine Mummy! Pirate Buster et Pirate Ash ont sauvé la journée! Tu vois, Buster? Le centre de jeu était très amusant après tout. Regarde, c'est Buster le bus. Il a l'air très heureux, tu ne trouves pas? Oh non! Il commence à pleuvoir. Et il y a du tonnerre et des éclairs effrayants. Oh, c'est un orage! Waouh! Attention à Scout, Buster! Oh mince! Buster est très effrayé par l'orage. Il a laissé Scout toute seule sous la pluie. Et maintenant, ses roues sont bloquées dans la flaque. Les éclairs sont partout désormais. Ouf! Buster est sain et sauf dans le garage.
Mais qu'en est-il de Scout ? Regarde, il a vu Scout. Elle est vraiment coincée dans cette flaque. Est-ce que Buster va être assez courageux pour aller l'aider ? Scout a vraiment du mal à bouger. Pauvre Buster, il est tellement effrayé par l'orage et les éclairs, pas vrai ? Tu peux le faire, Buster. Waouh ! L'éclair est si lumineux et effrayant. Youpi ! Allez, Buster ! Il a l'air très déterminé à aider Scout désormais. Il faut vite la pousser, ça devrait marcher. Oui ! Scout est libéré. Regarde comme elle est heureuse. Bravo, Buster ! Le tonnerre est toujours très très fort. Oh mais regarde, Buster a surmonté sa peur. Buster et Scout retournent joyeusement vers le garage pour se protéger de la pluie. Oh, le tonnerre les a fait sursauter tous les deux. Au revoir Buster, au revoir Scout. Daddy est en train de lire un livre sur la vie sauvage. Il y a tant d'animaux étonnants à regarder. Buster a vraiment hâte de prendre des photos. Regardez, en voilà une. Attendez, Daddy a une idée amusante pour que Buster teste son nouvel appareil photo. Daddy et Buster sont à la recherche de ce papillon rare pour le prendre en photo. Les ailes du papillon sont bleues et rouges. Buster doit essayer de trouver ses couleurs. Regarde derrière toi, Buster! Oh là là, il l'a raté! Daddy suggère qu'il cherche dans les hautes herbes. Les papillons aiment les hautes herbes. Le papillon est peut-être là-bas. Buster a vu quelque chose de rouge, par ici! Oh non! Le rouge que Buster a vu n'était pas un papillon. C'était Ash, le camion de pompiers qui se promenait avec sa maman. Buster décide de les prendre en photo. Dites cheese! Buster, derrière toi! Ah oui, bien sûr! Les papillons aiment les fleurs! Bien vu, Buster! Au parc! Le parc a beaucoup de fleurs pour attirer le papillon. Buster est certain de le trouver ici. Oh! Oh! Buster pensait que le nœud papillon du professeur était le papillon. Buster essaie, mais il ne semble pas pouvoir trouver le papillon. Mais Buster se rappelle qu'il doit être patient. Regardez, c'est le papillon. Mais Buster peut-il le prendre en photo? Tu as réussi! Bon travail, Buster! Regarde, c'est Buster, Mamie et Grandpa. Je me demande où ils vont par une journée aussi enneigée. Waouh! Ils vont chercher un sapin de Noël! Tant de sapins! Lequel choisir? Qu'est-ce qu'il y a? Buster veut le plus gros arbre de tous! Oh, il est vraiment grand! Hmm.
Maintenant, il est temps de le ramener à la maison. Mamie tire l'arbre dans sa remorque. Ouf, ça a l'air lourd. Attends. Oh non, l'arbre est trop grand pour passer par la porte d'entrée. Mais attends. Grand-pa a eu une idée. Maintenant, ils essaient de le faire passer par la rampe. Non, ça ne marche pas non plus. Mais maintenant, mamie a une idée géniale. Ça ne passe pas non plus par la cheminée. Mais grand-pa a eu une autre idée. 3, 2, 1, chargez! Oh non, ça ne rentre toujours pas, c'est juste trop grand. Regarde, c'est Scout. Elle est partie chercher son propre sapin de Noël. Je crois que Buster a une idée. Je me demande à quoi il pense. Grand-pa utilise sa scie. Waouh, ils ont coupé le grand sapin en deux. Et Scout peut en avoir la moitié, et l'autre moitié passera par la porte d'entrée. Hourra! Voilà, ce sapin de Noël est juste à la bonne taille pour la maison. Joyeuse fête, Buster! Oh non, Buster n'a pas l'air très heureux, pas vrai? C'est parti, allons voir ce qui ne va pas. Buster a l'air de s'ennuyer, n'a-t-il plus rien à faire? Oh, entendez-vous ça, Finale? Oui, c'est Robin, l'ami de Buster. Mais où est-il? Je n'arrive pas à le voir. Et toi? C'est un long soupir, ça, Buster. Il n'a toujours personne avec qui jouer. Oh, regarde, le voilà! Et il porte la boule de Noël de Buster. Je pense qu'il veut que tu le suives, Buster. C'est parti, allons voir ce qu'il veut te montrer. Oh! Il ramène une écharpe! Très bonne idée, Buster. Vous pourriez faire un bonhomme de neige ensemble. Regarde-le utiliser ses roues pour faire des piles de neige. Buster est très intelligent. Waouh, ça prend déjà forme. Et il y a la tête. Bravo, Robin. Un bonhomme de neige n'est jamais complet sans une écharpe. À quoi servent ces morceaux de charbon? Mais bien sûr! Maintenant, Robin est parti chercher autre chose. Oh oui, une carotte pour le nez du bonhomme de neige. Quel bonhomme de neige fantastique! Mais regarde, Buster pense qu'il manque quelque chose. Waouh, c'est une grosse rafale de vent! Et regarde, elle a apporté un chapeau haut de forme à Buster et Robin. Voilà ce qu'il manquait! Bravo, Buster! Le rouge-gorge est entièrement d'accord. Oh waouh! Le bonhomme de neige a pris vie. Buster est très excité. Maintenant, Buster n'a pas seulement Robin avec qui jouer, mais également son nouvel ami, le bonhomme de neige. Joyeuse fête, tout le monde! C'est le spectacle de Noël! C'est le spectacle de Noël! C'est le spectacle de Noël! Amusons-nous donc! Buster a peur, mais sa mère est là. C'est le spectacle de Noël. Amusons-nous donc. Scout jongle sur la scène. Scout jongle sur la scène. Scout jongle sur la scène. Buster n'est pas sûr qu'il peut faire le spectacle. Il ne veut pas y aller. Scout jongle sur la scène. Buster n'est pas sûr. Maintenant tout le monde attend. Maintenant tout le monde attend. Maintenant tout le monde attend pour savoir la suite. Et voici maman pour aider Buster. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on
un joyeux Noël et une bonne année. C'est Buster le bus. Je me demande quels sont ses plans aujourd'hui. Une chasse aux œufs de Pâques. Voilà un œuf de Pâques, bien joué Buster. En voilà un autre, ça fait deux. Et trois. Quatre. Cinq. Il y en a plein. Waouh, ça fait beaucoup d'œufs de Pâques, Buster. Ils ont l'air si bons. Buster adore les œufs en chocolat. Délicieux. Buster en mange autant qu'il en a envie. Bonjour, Buster. Oh, Buster n'a pas l'air très bien. Il a mal au ventre. Je pense qu'il a mangé trop d'œufs en chocolat. Voilà Scout, elle vient voir si Buster va bien. Il semble vraiment malade. Pauvre Buster, Scout va l'emmener voir Amber l'ambulance. Elle va pouvoir l'aider. Voilà Amber. Elle sait toujours comment aider les petits bus à aller mieux. Oui, Buster est bien malade. Mais heureusement, Amber a des médicaments avec elle. Ouvre bien grand, Buster. Ça va t'aider à aller mieux. Mais ce n'est pas tout. Si Buster veut guérir son mal de ventre, il doit manger des aliments bons à la santé. Comme une pomme. Voilà, ça va calmer le ventre douloureux de Buster. Le jour suivant, Buster se sent beaucoup mieux. Oh hey, c'est Diggly la pelleteuse. Qu'a-t-il avec lui? Oh oh, pas un autre œuf en chocolat. Je pense que Buster a eu assez d'œufs en chocolat pour ses fêtes de Pâques. Wouhou, Buster le bus est venu pour jouer. Attention à l'aventure rouge, Buster. Oh, Buster a roulé en plein dedans. Regarde, Buster, tu as fait des traces rouges avec tes pneus. Je crois que Buster a une idée. Beau travail, tu as peint un cercle. Un cercle est rond, c'est la même forme que tes roues, Buster, hein? Maintenant, tu as colorié le cercle, Buster. C'est un cercle rouge. Hey, salut, Scout. Viens t'amuser avec nous. Nous apprenons les formes. Quelle forme est un Scout? C'est un carré. Un carré bleu. Un carré à quatre côtés égaux. Hey, bonjour, Digger. Digger est venu pour peindre des formes avec Buster et Scout. Quelle forme va peindre Digger? Digger n'est pas aussi rapide que Buster et Scout. Pas de soucis, Digger a bientôt fini. C'est un triangle jaune. Un triangle à trois côtés. Digger a pris tellement de temps à peindre sa forme que Buster et Scout se sont endormis. Réveillez-vous tous les deux. Quelles autres formes pourrions-nous peindre? Un rectangle vert. Bon travail, Buster. Une étoile dorée, c'est fantastique, Scout. Et un beau cœur rose. Digger est en train de peindre un losange. Waouh, regarde toutes ces couleurs. C'est un losange arc-en-ciel. Tellement de formes colorées différentes. C'était très amusant d'apprendre les formes. Nous avons fait un carré, cercle, triangle, étoile, cœur, rectangle et un losange. Bravo tout le monde! Buster et Mamie Bus visitent la ferme de Terry aujourd'hui. Waouh! La ferme est trop cool! Buster est si excité! Oh, regarde! Une adorable portée de chiot! Comme ils sont mignons! Buster a repéré un ballon de football. Il adore le foot! Mamie Bus est là pour vérifier que les chiots sont tous en bonne santé. Mais Buster a d'autres idées!
Il veut aller jouer au foot à la ferme. Qu'est-ce que c'était? Oh, un des chiots a suivi Buster dehors. On dirait qu'elle veut jouer. Mais Buster veut jouer tout seul. La revoilà. La petite chienne n'arrête pas de le suivre. Buster lance un bâton à la petite chienne pour la distraire. Cela va la faire partir. Non, ça n'a pas marché. Et maintenant, la chienne a pris le ballon de foot. Quelle coquine, cette petite chienne! Ah ah! Finalement, Buster a récupéré son ballon. Mais la chienne veut toujours jouer. Reste là. Buster se cache derrière une pile de bottes de foin. Pas encore! Peut-être que Buster peut perdre la chienne dans le champ de maïs. La chienne est triste de ne pas le trouver. Mais le plan de Buster a fonctionné. Oh non! Comment cette petite chienne est-elle montée là-haut? Elle va tomber! Et Mummy Bus et Terry n'ont pas remarqué. Vite, Buster, vite! Allez, Buster! Ouf! Il a sauvé la petite chienne. Il s'en est fallu de peu. Mummy a remarqué qu'il manque un chiot. Mais ne vous inquiétez pas, Buster l'a ramené à la maison. Quelle journée amusante à la ferme! Oh oh! Pas encore! Hey, salut Buster! Qu'est-ce que c'est? Un ballon de foot? Oh regarde Buster! Tous tes amis sont alignés pour faire une partie de football et ils ont besoin d'un autre joueur. Vas-y Buster, ça va être très amusant! C'est parti! Ah, trop lent Buster! CJ, le mixeur de ciment, va essayer de marquer. Est-ce que Jessie Jeep peut le stopper? Allez, Jessie, tu peux le faire! Oh! Presque! Mais but! Beau shoot, CJ! Belle tête, Buster! Quel tir, Scout! Belle parade, Digger! Scout a joué la balle de Digger! Scout se précipite vers le but! Allez, Scout, tu peux le faire! Personne ne peut la contrer! But! C'est ça, Scout, bravo! Jessie à Scout! Scout lance d'un coup de pied! Super tir, Digger! Passe à Bandy! Oh, c'était un peu trop fort, Bandy! Bandy va-t-il marquer? Jessie peut-elle le contrer cette fois-ci? Oh, non, Jessie a crevé le ballon! Est-ce la fin de la partie? Oh, mais non! Regardez! Otis a un autre ballon! La partie reprend! Tout semble s'accélérer désormais. Buster se dirige à toute allure vers le but. Oh non, Bandy, le bus a bousculé Buster. C'est une faute. Bon arbitrage, Robin. Bandy a pris un carton rouge et Robin l'envoie hors du terrain. Voilà ce qui se passe quand on joue trop brutalement. Hein? Maintenant, Buster a le droit de tirer un pénalty. Allez, Buster! But! Tu l'as fait, Buster! Tu as remporté le match et tu as gagné un beau trophée! C'était si amusant! Hey, salut Buster! Et salut Digger! C'est un grand château de sable que vous avez construit là! C'est Sandy la mouette! Attention Sandy, ne te mets pas sur le château où tu vas... Oh mince! Pauvre Digger et Buster, ils ont dû passer tellement de temps à construire ce château de sable! Oust Sandy, envole-toi! As-tu vu Buster? C'est une forme rouge qui sort du sol. Je me demande ce que c'est. Beau travail, Digger. C'est un triangle, n'est-ce pas super? Et regarde, Sandy a trouvé une forme jaune aussi.
C'est un cercle. Peux-tu en trouver d'autres, Sandy? En voilà une autre. Celle-ci est bleue. Vite, sortons-la. C'est un carré. Il a quatre côtés. Waouh, il y a beaucoup de formes. Triangle, cercle, rectangle, hexagone. Sandy, attends, ne... Hein? Oh mince! Les châteaux de sable s'effondrent si facilement. Attends une minute, je crois que Buster a une idée. Buster et Digger rassemblent les formes. Je me demande ce qu'ils vont faire avec. Ils les entassent. Je crois qu'ils construisent une tour. Encore un morceau pour aller sur le haut. C'est ça, Buster. Doucement, doucement. Voilà, parfait. Waouh, Buster et Digger ont fait une tour avec les formes. Quelle bonne idée. Maintenant, ils peuvent reconstruire leur château de sable. Et regarde, Sandy peut se percher quelque part sans que tout s'effondre. Beau travail, Buster. Au revoir, Buster. Au revoir, Digger. Quelle journée ensoleillée! Oh, regardez, c'est Diglé et CJ. Ils remplissent d'eau le mixeur de CJ. Que font-ils tous les deux? Regardez, c'est Buster et Scoot. Oh, qu'il fait chaud! Que peuvent-ils faire pour se rafraîchir? Waouh! Diglé et CJ fabriquent des ballons d'eau colorés. Je pense que Buster et Scoot ont une idée. Bataille de ballons d'eau! À vos marques, prêts? Partez! Que font Buster et Scoot? Oh, regardez ça! Diglé et CJ se sont faufilés à l'arrière. Et... Oh! Aïe! Tous sur Scoot! Hé! Hey, en plein dans le mille! Cela devient de plus en plus intéressant. Qui se cache dans les buissons? C'est Scoot! Elle a réussi à se cacher à temps. Deuxième essai. Mais regardez, Buster est arrivé. Il a aspergé ses jidos. Dépêche-toi, Buster. Oh non! CJ et Diglé ont coincé Buster et Scoot. Que vont-ils faire? Ouais, le parapluie. Je pense que Buster a un plan. CJ et Diglé visent, mais Buster est couvert d'un parapluie. C'est une excellente idée, Buster. Oh non! Diglé et CJ sont en train de réapprovisionner. Waouh! Regardez la taille de cette balle. On dirait que Buster est dans un sale état. Waouh! Bien joué, Buster. C'était très amusant. Oh, waouh! Buster devient une fusée et va dans l'espace. 5, 4, 3, 2, 1... Décollage! Regarde, Buster qui file! Très bien, tu l'as fait, Buster. Tu es dans l'espace. Oh, quel super endroit. Je crois que Buster veut explorer l'espace. Regarde ça, c'est une planète rouge. Approchons-nous pour mieux la voir. Hey, salut l'ami de l'espace. Je parie que cet alien n'a jamais vu un bus auparavant. Où vas-tu, Buster? Oh, une planète jaune! C'est magnifique, avec ce grand anneau autour! Oh, regarde ça! Buster conduit sur l'anneau. Voyons voir comme tu peux aller vite! Waouh! C'était fun! Qu'est-ce que Buster a vu maintenant? Une planète violette! N'est-elle pas énorme? Waouh! Buster file tout autour des planètes! Autour de la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Mais, attends. Oh non, une planète bleue. Buster va trop vite. Je crois qu'il va la percuter.
Oh ouf alors, c'était seulement un rêve. Tout va bien, Buster. Regarde, Scout utilise son télescope pour regarder le ciel de nuit. Jette un œil, Buster. Voilà la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Bonjour, petit ami de l'espace. Voilà Buster le bus. Je me demande ce qu'il va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ceci? Regarde ce panneau de publicité, Buster. Ses pneus sont brillants et neufs. Peut-être est-il temps de changer tes pneus, Buster. En route. Oh, regarde, c'est Jessie la Jeep. Elle a l'air d'avoir du mal à monter la colline. Voilà Buster. Pauvre Jessie, je crois qu'elle a besoin de l'aide de Buster. Ses pneus n'ont pas l'air de bien accrocher la route. Tu y es presque, Jessie. Continue d'essayer. Oh Buster, je sais que tu veux aller chercher tes nouveaux pneus, mais ton amie Jessie a besoin d'aide. Oh non! Jessie glisse en arrière! Ah! Bravo Buster, tu es revenu pour aider Jessie. C'est si gentil de ta part. Oh non! On dirait que quelque chose ne va pas avec la remorque de Jessie. On dirait que le poids de la remorque la pousse trop vite vers le bas de la colline. Elle a perdu le contrôle, Buster! Vite Buster, tu dois l'aider! Ça va aller Jessie, Buster n'est pas loin derrière. Bon travail, Buster. Garde le contrôle de la remorque pour qu'elle ne se retourne pas. Oh non, le garage est droit devant. Elle ne va pas avoir le temps de freiner. Très bonne idée, Buster. Utilise tes freins pour ralentir Jessie. C'était moins une. Bien joué, Buster. Et regarde, ce sont les magnifiques pneus que tu voulais venir chercher. Oh, pauvre Jessie, ces pneus sont tout abîmés. Buster, je crois que quelqu'un en a plus besoin que toi. Oui, bravo, Buster. Jessie a vraiment besoin de nouveaux pneus. Ils sont très beaux, Jessie, et tu n'auras plus de problème pour tirer ta remorque désormais. Et conduire en côte sera facile. Au revoir, Buster. Au revoir, Jessie. Regarde, Buster est arrivé tôt à l'école aujourd'hui. Voici Scout et Diglé. Oups! Buster a glissé sur de l'huile. Oh non! Le tableau noir est détruit. Scout a glissé aussi. Ouf! Oh non! L'horloge est cassée aussi. Quelle pagaille! Et voici le professeur. Ils vont devoir tout nettoyer très vite. Mais le tableau est trop lourd pour Scout. Et Diglé ne peut pas ramasser les lettres. Buster essaie de réparer l'horloge. Mais il y a tellement de pièces. Je pense que Buster a un plan. Ils peuvent échanger leurs tâches. Scout peut ramasser toutes les lettres. Ensuite, Diglé et Buster peuvent soulever le tableau ensemble. Scout connaît son alphabet. Il peut remettre les lettres en place. Maintenant, l'horloge. Diglé peut la réparer. Il adore réparer les machines. Voilà, c'est fait. Juste à temps. Voilà le professeur. Tout semble normal. À part cette lettre. Et l'heure n'est pas bonne. Et le chiffre 1, 2, 3, 4, comme 9. Regarde, c'est Buster, Scout et Diggly. C'est le soir de Noël et ils sont excités de savoir que le Père Noël va arriver avec les cadeaux. C'est l'heure d'aller se coucher, les amis. Le Père Noël ne viendra pas si vous êtes encore réveillés. Oh, c'est ce méchant bandibus. Qu'est-ce qu'il nous réserve cette fois? Voici le Père Noël qui met les cadeaux sous le sapin. Il doit être très occupé ce soir. Oh non! Bandit vole tous les cadeaux sous le sapin. Quel méchant bus! Maintenant, il s'échappe discrètement. Oups! Bien fait. Qu'a-t-il vu désormais?
l'étoile dorée de Noël. Il va aussi la voler. Oh mince! Il essaie de l'enlever du sapin. Regarde! Maintenant, Bandy est tout emmêlé. Cela va lui prendre beaucoup de temps pour sortir de là. Il y a passé la nuit. Mais Bandy est enfin libéré. Maintenant, il s'échappe discrètement avec les cadeaux. Oh, pauvre Buster. Tous les cadeaux ont été volés. Il a l'air si triste. Bandy est vraiment le pire. Mais... attends. Qu'est-ce que c'est? Que fait Bandy? Regarde. Bandy remet tous les cadeaux sous le sapin. Peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça, après tout. Youpi! Les cadeaux sont tous là! Buster est très heureux. Oui! Joyeux Noël! Voilà le Père Noël. Il n'est pas très content de Bandy. Mais qu'est-ce que ceci? Il a mis un cadeau sous le sapin pour Bandy aussi. Bandy le mérite bien après avoir rendu tous les cadeaux. Tu as fait la bonne chose, Bandy. Joyeux Noël! Hey Buster! Oh! Oh non, Buster a l'air très malade. Bonjour Scout! Je crois que Scout veut jouer. Je ne pense pas que Buster soit en forme pour jouer aujourd'hui. Buster est très malade. Vite Scout! Va chercher de l'aide. Oh pauvre Buster, ça va aller. On tombe tous malades de temps en temps. Oh regarde! Scout a été chercher Amber l'ambulance pour qu'elle s'occupe de Buster. Très bonne idée, Scout. Amber saura quoi faire pour que Buster aille mieux. On dirait qu'Amber aide Buster à retourner dans le garage. Voyons voir si elle peut trouver ce qui ne va pas. Premièrement, regardons les pneus de Buster. Oh, regarde, celui-ci est totalement à plat. Il faut le regonfler. Et voilà, c'est bien mieux. Buster a déjà l'air d'aller mieux. Oh, mais tu n'es toujours pas en grande forme. Ah oui, il faut prendre la température de Buster avec un thermomètre. Ce n'est pas très satisfaisant. Il est temps pour Amber de vérifier le moteur de Buster. Oh non, il y a une fuite d'huile. Pas étonnant que Buster soit malade. Amber va réparer ça avec sa clé. Ça va aller, Buster, c'est bientôt terminé. Encore quelques tours et voilà. Très bon travail, Amber. Buster est redevenu lui-même. Je crois que tu es prêt pour aller t'amuser, Buster. Il a l'air très heureux. C'est le Buster que nous connaissons et que nous aimons. Il est temps pour Amber de partir. Au revoir, Amber. Merci de t'être occupé de Buster. Et hop, Scout et Buster partent jouer. Au revoir. Salut tout le monde! Quel coucher de soleil magnifique! Je suis sûre que Buster s'est beaucoup amusé aujourd'hui. Oh mais, je me demande ce que peut être cette glu verte. C'est si gluant et... oh! C'est tombé sur Buster. Et on dirait qu'il ne l'a pas vu. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas. Regarde toutes ces tombes et citrouilles qui apparaissent. C'est effrayant. Et qu'est-il arrivé à Buster? Je crois que la glu verte a changé Buster en zombie. Ouh, c'est une grosse citrouille que Digger Skult. Et elle est très chouette. Qui est-ce? Oh non, c'est Zombie Buster. Digger est très effrayé. Mais je ne crois pas que Buster se rende compte de son apparence. Oh regarde, c'est Scout. Buster est si heureux de la voir. Oh non, elle semble effrayée aussi. Oh, Scout se cache loin de Buster comme l'a fait Digger. Pauvre Buster. Il est triste et seul. Voyons, Scout. Buster est ton ami. Je crois que Scout a une idée. Elle veut que Buster la suive. Maintenant, tu vois, Buster. Tu ressembles à un zombie. C'est la raison pour laquelle tout le monde a peur de toi. Ne t'inquiète pas, Buster. Regarde, la glu disparaît.
Je crois que Scout a un plan. Le lavage auto? Quelle bonne idée, Scout! Buster adore se laver. Youpi! Le verre est parti! Buster est redevenu lui-même. Ouf! Ça faisait vraiment peur, Buster. Oh waouh, Scout! On dirait un vrai loup-garou! Joyeux Halloween, tout le monde! Oh non! Bandy le bus vole des bonbons de la confiserie. Arrête, voleur! C'est Otis, la voiture de police. Il vient pour enquêter sur le vol de bonbons. Bandy le bus est parti par ici, Otis! Je ne crois pas qu'Otis ait vu Bandy le bus s'enfuir. Très bonne idée, Otis. Suis la piste des bonbons. Je pense que nous savons vers qui elle va mener. Le voilà. Arrête-toi, voleur! Regarde, Otis, d'autres indices. Continue de suivre la piste. Waouh, Bandy le bus fait tomber beaucoup de bonbons. Hey, salut Buster. Oh, je ne pense pas que ce bonbon soit pour toi. Buster adore les bonbons. Oh mince, la piste des bonbons mène tout droit à Buster le bus. Otis doit penser que Buster est le voleur. Tu fais erreur, Otis. Buster est innocent. Pauvre Buster, que va-t-il faire? Otis met Buster en prison. Oh, Buster. Oh, mais voilà Scout. Peut-être que Scout peut aider Buster à sortir de là. Il faut que tu aides Buster, Scout. Prouve qu'il est innocent. Bravo, Scout. Suis la piste des bonbons pour découvrir le vrai voleur. Scout, la détective, mène l'enquête. Le voilà! Bandy le bus pris en flagrant délit. Il vole des jouets. Cette fois, tu ne peux pas t'échapper, Bandy le bus. Arrête-toi au nom de la loi. Tu es en état d'arrestation. Il est temps de régler ce malentendu et libérer Buster de prison. Tu peux sortir, Buster, tu es innocent. Et Bandy le bus prend ta place. Merci, Scout. Tu es une super détective. Sans toi, Buster serait encore en prison. Je suis désolée, Bandy le bus, mais tu l'as mérité. Voler est contre la loi. Bien joué, Otis. Au revoir, Bandy. Salut, Buster. Encore une belle journée pour s'amuser. Oh non, c'est Bandy le bus. Buster, attention, tu vas t'écraser. Attends, que se passe-t-il? Oh waouh, tu flottes dans les airs. C'est incroyable, Buster. Je me demande si tu peux voler. Oh waouh, tu es devenu un super-héros. Tu es si rapide. Super Buster est là. Wouhou! Qu'est-ce que tu as vu, Buster? C'est Otis, la voiture de police. Je me demande ce qu'Otis cherche dans le tunnel. Attends, mais c'est Bandy le bus. Que fait-il? Ça n'a pas l'air bien. Oh non! Il a poussé le rocher du bord et bloqué Otis dans le tunnel. Tu dois le sauver, Buster. Tu ne peux pas laisser Bandy faire une chose pareille. Ce rocher a l'air très lourd, mais ne t'inquiète pas, Buster. Tu es un super-héros désormais. Tu peux le sauver. Oh, Buster, tes yeux! Waouh, tu as une vision laser! Bien joué, Buster, tu as libéré Otis. Maintenant, allons attraper ce vilain Bandy le bus. Voilà, Bandy, on dirait qu'il prépare déjà une autre bêtise. Scout, attention! Oh, pauvre Scout! Bandy, regarde qui est arrivé. Tu es en danger. Super, Buster est là. Buster, tu peux l'arrêter. Super Buster est trop fort pour Bandy, ça devrait l'arrêter. Super, maintenant Buster doit juste aider Scout à sortir de l'étang. Regardez Bandy, il est coincé maintenant. Oh, c'était juste dans tes pensées. Je ne crois pas que la maîtresse soit très contente, Buster.